partager vos photos, vos émotions. Allez, tu es spooky. Bon, on va partir bientôt là. Il ne reste plus que 5-6 minutes. Bon. Tu n'es pas prêt, mais on pourrait pour partir. Hein, bon, c'est cool, hein, j'ai de bonnes sensations ce matin. J'ai bien dormi. Franchement, hey, regardez-moi ça. Là. Et les copains là, tous les copains là derrière. Là. On va tous partir ensemble. Et puis on va tous arriver pas ensemble. Allez, à tout à l'heure. Allez, vous le faites avec nous, hein, vous êtes prêts? 10, 9, 10, 7, 6, 3, 2, 1, go! Ouais! C'est parti! 11e édition, 7000 trailers! Et vous en faites partie. Soyez le bienvenu sur la côte d'Opale, l'air des deux chars. Allez, à vous! Allez-y! Allez, merci au public, allez, on les applaudit! Allez-y, 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 allez-y! Bon, ben voilà, on vient de faire 5 km, là, donc vous voyez ici, là, à cet endroit-là, et vous avez donc là, le cap Blornay, hein, on va grimper. On va grimper. Ouais, ça grimpe, hein. Voilà, ça y est, on est sur le cap Blornay. Il n'y a plus qu'à. Bon, bah, on est presque arrivé, hein. Regardez, là. Vous avez là le cap Blornay. Juste au bout de mon doigt, rien que je le porte. Trop fort. Ben voilà, on est arrivé tout en haut. Vous avez vu le paysage derrière, un peu de brume, on ne voit pas encore l'Angleterre, mais c'est tout comme. Allez, c'est parti, on va redescendre. Bon bah là maintenant on est dans un petit parcours boisé là, donc c'est rafraîchissant. Donc je viens de passer les deux principales bosses et là maintenant ça va être un petit peu plus cool. Hein. Bon les amis, alors le bilan bah, il est simple, j'ai fait un abandon au 35e kilomètre. Sinon à part ça, super paysage, franchement, je me suis régalé sur le cap Blornay. Bon, j'ai passé le premier ravito avec 16 minutes d'avance sur la barrière horaire. Je savais que j'allais réduire mon allure de toute façon, le deuxième ravito au 35e kilomètre, je suis arrivé avec 23 minutes de retard sur la barrière horaire, donc voilà, abandon, tout simplement. Quoique, je tiens à préciser que la personne qui était là-bas, qui était lui aussi un coureur, comprenait très bien que je ne veuille pas abandonner. Il était prêt à me laisser partir en me disant, bah, de toute façon, il te reste donc le prochain contrôle, c'est à 52 km. Donc, il restait 17 km à faire. Et la barrière horaire, là, j'aurais eu la marée... jusque là pour traverser au niveau de la marée, et puis du sable mou, donc la slack,
hein, les fameuses dunes de la Slack qui sont franchement très très dures. Donc moi j'ai préféré abandonner sachant que j'ai un trail, le trail des Terrils, à faire bien la semaine prochaine, ou dans 15 jours. Bref, en tout cas, j'ai envie de récupérer, j'ai pas envie de me blesser. Allez, salut les amis et à très bientôt. Regardez l'autre orteil, hein. Tout à fait normal. C'est celui-là. Et là, voilà, après le trail, voilà, il a bien gonflé. Donc j'ai bien fait d'abandonner parce que sinon.